Allez, on va les faire. Oh merde! Ouah! Et du coup, ouais? Je peux vous aider? Bah oui, c'est mon scooter, monsieur. Ah, bah montez! D'accord, vous pouvez me déposer au Suburban, s'il vous plaît? Mais bien sûr, je vous pose au Suburban. Vous allez vous changer? Non, je travaille là-bas. Toi, tu travailles? Oui, je travaille là-bas. Ah, vous avez un accent russe, c'est normal? Non, je suis espagnol. Vous connaissez Jimmy? Non, du tout. Ah. Qui est Jimmy? Ouah, Jimmy, c'est un mec bizarre. C'est un mec très, très, très bizarre. C'est un mystère de l'évolution. Ah ouais, un mystère de l'évolution. Ouais. D'accord. Oh les familles, je vous baise. Attends, deux secondes. Oh bah attends, arrête-toi, il y a ma femme. Eh, je vous baise les familles, elle me fait enculer. Quoi? Ouais, non mais c'est des petits bouffons. Reviens là. Ouais, c'est des petits bouffons, t'inquiète, ils vont rien faire. Regarde, hop les. Ils vont rien faire du tout. Regarde. Ouais, oh, arrête-toi. Je m'arrête, je vais rien faire, frère. Amine Chouf, si tu me cherches, le boss de la ville. Ça pète des gens, les gars. Comment ça, ça pète des gens? Merde. Non, merde. Oh, bougez! Eh, bougez ou je la tue! J'ai une arme! J'ai une arme! Bouge ou je la tue! Oh la vache, mon gars! Tu sais à qui tu parles, mon gars? Eh, ferme ta gueule, mec! Allo, Oji, au commissionnaire des Macassar, mon gars! Eh, je m'en fous d'aider! Ah, wesh! Il me court sans slip? Voilà. Bon, je te ramène au Suburban et je te prends ta moto, du coup. Oui, tu me la ramènes, hein, promis. Ouais, mais bien sûr que je te la ramène. Oh, j'espère bien. Bah oui, je suis pas un voleur. Je m'appelle Amine, comme si, quand même. C'est un prénom de confiance. C'est prévu, le fait que tu m'apprennes à la C'est-à-dire quoi, Amine? C'est-à-dire homme de confiance. Homme de confiance, d'accord. Alors, je te fais confiance. Tu savais pas, hein? Non, du tout. C'est quoi ton prénom, toi? Dolores. Ah, c'est moche. C'est bon, en fait, tu peux me déposer. Mais non, tu m'as dit te déposer au truc. Non, dépose-moi Suburban. Bah voilà, c'est là-bas le Suburban. Oui, mais sois pas méchant avec moi, c'est pas gentil. Mais non, mais c'est juste ton prénom. Sois pas méchant. Mais non, mais c'est juste ton prénom. Je suis styliste professionnel, attention à qui tu parles. Et alors? Ah, tu me sors ton sac à main, censé m'impressionner. Ton vieux sac là, tu es babou. Oui, je suis très impressionnel. Par contre, tu devrais maigrir, hein. On a du mal à avancer, c'est ouf. Je suis mannequin, monsieur, je suis déjà maigre. Ouf. Bon, ça y est, vous m'avez soulevé. C'est bon, j'arrête. Vous me critiquez. Non, mais non, mais je dis. Non, c'est je pas dis, comme non, ça qu'on parle. Non, non, femme, non, monsieur. Mais je m'en fous. Non, c'est juste que sur la montée, en fait, la moto a eu du mal. C'est tout, c'est pas. Vous avez dit que j'étais grosse. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que. J'ai insinué que j'étais grosse. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que. Faut faire gaffe quand on mange. D'accord. Parce que c'est pas bon les McFlurry après le sport. Voilà. Oh, mais... Merci. Au revoir, madame. Bonne journée, vous me le ramenez. Ouais, tout de suite. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va appeler Walid. Est-ce qu'il est là, Walid? J'ai quoi comme numéro? Il est où le numéro de... Il est où le numéro de Walid? Ah, il est là. Il est là, Walid, ou pas? C'est son scooter. Oh, mais tranquille. Ah, il est pas là, Walid? Ah, merde, fais chier. Attends, Walid pas là. Alejandro, il est là ou pas, Alejandro? Voilà. Octavia Balek. Wesh! Ouais, chouf, ça va ou quoi, tranquille? Ah, regarde, ça va ou quoi? Ça va, tranquille et tout. Ça dit quoi? Je suis au tatoueur, là, à la playa, si tu veux venir, venir. À la playa, j'arrive. Allez, perfecto. Il y a des tatouages, mais c'est haram les tatouages, je vois pas. Hein. Oh, d'accord, bah, d'accord, vu que c'est haram, je les ferai pas. Non, mais fais-les, non, mais vraiment, fais-les pas, achi. D'accord. C'est pas bien de faire des tatouages. C'est bon, bah, je vais me repentir un jour, peut-être. Vas-y. Mais comment ça? Non, mais faut pas les faire. C'est bon, viens me faire la morale. Vas-y, viens, je vais te faire la morale vite fait. C'est bon, à de suite. Vas-y. Viens me faire la morale vite fait. Attention, parce qu'ici, voilà, vous avez vu. Ici, on peut plus passer comme avant. Merci, The Killer, merci à toi, mon ref.
On peut plus passer comme avant. Fallait pas faire confiance à un rebeu. Non mais ça va, la voiture elle est en bon état là. La voiture elle est en bon état. Attends, tatoueur. Mais c'est où le tatoueur de la plage? C'est où? C'est là-bas? C'est où? Je sais même pas c'est où. Bellec les radars. Oh, je suis plus à ça près mon ref hein. Toujours les mêmes sur les scouts volés. Les bâtards. Ça veut dire quoi ça? Je pourrais avoir une réponse de ce que tu viens de dire s'il te plaît? J'ai pas trop compris. J'ai vraiment pas compris là ce que t'es en train de dire. Ça veut dire quoi? Ça gâche un petit peu votre joli visage sur le côté après. Ah bon? Wesh madame, prends ta poil. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je me fais tatouer, monsieur? Ah, tu te fais tatouer quoi? Ah, c'est moche, hein. Oh, c'est écœurant. Pourquoi t'as des tatouages aussi, claqués moche, sur les nibards là? Oh, mais c'est écœurant, oh putain! Ouais, tu peux respecter mes clients? Ah, mais c'est ni fait ni à faire ça, hein. Oh là 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 là! Non, c'est bon, j'arrête, c'est bon, je t'attends, t'inquiète. Gracias. Ouais, vas-y. Vous voulez un café, signora? Pas très gentil, lui. Non, merci. Il est amoureux d'une chica. Non, pas du tout. C'est beau là. Vous voulez autre chose? Regarde, eh. Oui, sur le vent. Eh, regarde. Allô? Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ouais, je suis avec une meuf là, elle a un poil écœurant. C'est une dinguerie. T'as dit quoi? Là, je suis avec une meuf à poil, elle est écœurante. En fait, elle a des tatouages, c'est écœurant. Mais comment ça se fait que t'es avec une meuf à poil même? Bah, je te jure, c'est vrai! Tu veux une photo? Non. Pas mais pourquoi t'es avec une meuf à poil? Pas du tout. Mais non, mais t'inquiète, c'est une longue histoire. One pause. C'est non, mais je... non, là c'est mort, là je suis grave occupé. Je vais la nicar. Ça s'appelle Elmar, c'est vers la fin. Elmar. Vas-y, ah ouais, attends, ah merde, je te rappelle. Je suis vraiment un chien. Oui. Elmar vers la fin. Ah Elmar, d'accord. Il a cassé votre cabine là. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ouais, c'est un déglingo. Qui a fait ça? Attends, alors là, mon pote. Qui a fait ça? What? Envoie la pause. Eh, j'envoie la pause, chat. Comme ça, il y aurait une bagarre. Non, c'est pas bien. Tatouage qui vous plaît pas parce que par le passé, malheureusement, vous avez une petite aventure d'amour, vous avez un petit cœur, vous voulez le retirer. N'oubliez pas. Ils ont dit oui, les bâtards! J'ai mon numéro personnel, vous m'appelez dès que vous avez besoin de moi, d'accord? Comme ça, vous n'allez pas attendre 100 ans. D'accord, ben, perfecto. Alors, c'est 78 40 91. Ah, c'est mieux là! Là, au moins, c'est mieux. Bah, t'as vu, là, là. Ah, là, ouais, bah, chose. Sans qu'on voit le corps, c'est beaucoup mieux. Pardon? De quoi? Donc, 78 40 91. Ok, ah, donc là, c'est Alejandro, c'est ça beaucoup mieux, Alejandro, envoyez-moi un message avec votre prénom, comme ça, je sais qui vous êtes. Allez, perfecto. Bon, ah, là, c'est ça. Quoi on va y aller, Amine? Ouais, bien sûr. Allez, perfecto. Bon, bah, Signora, sans tarder, je vous dis gracias de m'avoir appelé. Merci, Signora. Bonne soirée. Au revoir, Signora. Au revoir, monsieur, vraiment pas très gentil. Mais non, je suis gentil. Oh là là. On m'appelle l'homme le plus gentil de l'Ouest dans mon pays. J'ai un doute bizarrement. Mais non, c'est viens vrai. Avec ton vieux scooter, viens. Ah, mais je l'ai volé à une meuf! Mais c'est pas grave. Ouais, j'avoue, c'est pas et grave. Et en plus, vous volez, vous osez dire que vous êtes gentil. Bah, je suis arabe. Bravo. Ah, d'accord, je comprends mieux. Bah oui, bête elle. C'est vrai, pardon. Faut que je respecte mon background. Quoi? Bah, il a une histoire derrière lui. J'ai une longue histoire, madame. Allez, c'est bon. Allez, bonne soirée, signora. Bonne soirée. Comment vous appelez? Azilia? Azalia? Mais attends, mais Azulia, t'as pris son numéro, mais t'as pas son. Ah, d'accord, ok. Non, c'est parce que je suis tatoueur. C'est quoi, Azizla? Quoi? Non, je crois que ça s'appelle Aziza. Oh, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va? Ça tue quoi, mon gars? Ouais, rien. Attends, mais c'est à toi cette voiture? Tu l'as volé à qui? À Alba. Non, j'y crois pas. Mais quoi? Je te jure. En fait, c'est Alba qu'il faut pécho, elle est riche. C'est Alba, c'est une fille de bourgeoise. Attends, je vais l'appeler. Attends, on va y aller voir là. Attends, en fait c'est elle qui a de l'oseille.
Ouais, c'est elle qui a dosé. Vas-y, vas-y. Allô ? Ouais, Alba, bien quoi ? Ouais, ouais, ça va, ça va, toi, Amine ? Ouais, tranquille, ça te dit quoi ? Rien, là, je suis avec, les... avec Mata et Diosa, tu vas-y, veux. Vas-y, on arrive, on arrive. On vas-y, arrive. Tu sais où ? Bah non. Ah, bah vas-y, je t'envoie une. Tu sais où ils habitent ? Ouais, ça a changé depuis, non ? Non, ouais, je sais pas. Dis-moi, t'es propriétaire de nombreuses voitures quand même. Qui est ? Hein ? Qui ça ? Toi ? Non, pourquoi ? Pourquoi non, tu me dis ça d'un coup ? T'es marié ? J'étais fiancé. Non, mais là, je m'en bats les couilles du passé. Bah quoi ? Là, non, je suis pas marié. Pourquoi tu me parles de voitures ? Parce que t'as plein de voitures du coup. Bref, vas-y, vas-y, on arrive, on arrive. Tu sais où je suis ? Oh, tu lui, je vais t'envoyer une position, vous venez avec Todos là. Vas-y, on va vous envoyer une position. Je suis avec Alejandro, on va vous envoyer une position. Tu viens avec Todos pour parler. Pour la plateau. Bah, vous venez pas du coup ? Bah, si, okay. C'est quoi ? Nous, on envoie la pause ou eux, ils envoient la pause ? Nous, on envoie la pause. Nous, on va vous envoyer une pause. Ah, vas-y, on va vous rejoindre. Mais y'a qui ? Y'a qui avec toi ? Y'a Pinto, Mata, Diosa. Y'a Pinto, Mata, Diosa. D'accord, ça tombe bien, elle voulait nous voir. Ah, ça voulait qu'on parle. Ça tombe bien, vous voulez parler. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, parfait. On arrive. C'est parce qu'ils m'ont fait hier, Alba et Pinto. Ils ont fait quoi ? Pinto il m'a braqué pour la cause d'Alba. Oh, merde ! Attends ! Quoi ? Oui, allô ? T'es sérieux ? Ça va pour ça ? Allô ? Oui, de quoi ? Bah, je suis venu. Allô ? Qui ça ? Bah, la meuf à poil, elle est où ? Y'a personne. Non mais... Bref. Attends, j'ai tué deux personnes sur la route. Et tu dis bref ? Non mais, regarde. En fait, le problème, c'est que là, je suis dans un gros business qui va nous rendre riches. Ok ? Ah oui, c'est dans la prime. L'argent, c'est éphémère. De quoi ? J'ai touché ma prime. L'argent, c'est éphémère. On s'en fout de l'argent. Toi, t'as eu combien ? T'as eu combien ? Je suis à l'âge, je suis à 8000. T'as 8000 ? Ouais, bah je suis MS. Ah ouais, t'es une meuf bien en fait. T'as combien ? Je suis MS, j'ai dit. T'es EMS ? Depuis quand ? Depuis 3 jours. Ah, voilà ! T'as vu ? T'as vu, Alejandro, toi aussi tu dois trouver une femme, frère. Bien sûr. Regarde, elle est EMS, elle est médecin, frère. Mais c'est qui, c'est Carla ? Ouais, quand je vais la présenter. Eh, frérot, quand je vais la présenter, ils vont dire what, barakallah, allez, gars. Arrête. Non, mais non, j'arrive, Burger Shot. J'ai juste 2-3 affaires à régler, je dois tuer 2-3 mecs parce que je suis un gros bon. Comment ça, t'arrives Burger Shot, tu travailles plus au Burger Shot ? Ah, t'as arrêté le Burger Shot carrément ? Bah ouais, on n'a pas le choix, malheureusement. Pourquoi ? Parce que je peux pas avoir de fonction si j'ai une fonction comme police ou MS. Ah merde ! Je viens de prendre ma putain de fin de service pour niquer l'autre chouin là, à poil. Je viens dans la pause. T'as pris ta fin de service ? Bah ouais, je suis à... Ah merde ! Merde, en fait, c'était qui la meuf ? C'était qui la meuf, Alejandro ? Aziza. Aziza, je crois. Elle s'appelait Aziza, c'était une biker. Aziza ? C'était une biker et tu vois, je voulais pas t'envoyer les photos parce que ça se fait pas, je suis pas un bâtard, tu vois. Mais genre, elle s'est mis à poil devant moi, elle me disait ah oui et tout, Amine et tout, t'es trop mignon. Mais moi, tu me connais, moi quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un, tu vois, moi je dérape pas. Et après, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré être honnête avec toi. Ouais, mais ok. De quoi ? Putain, je l'ai manqué de plus. Moto ? Elle était pas en moto ? Ah si, elle était en moto, biker ! Putain, je savais que je devais foncer dedans. Putain ! Ouais, mais c'est vraiment, c'est une lobe. T'as capté, hein, c'est vraiment une. Mais faut pas le dire. Ok. Vas-y, bah écoute. Vas-y, on se voit après tout à l'heure, t'inquiète. De toute façon, je vais te montrer un truc après. Ah ouais ? Vas-y. Vas-y, on se capte après. Vas-y. Ah, les femmes toutes les mêmes. Tu me dis quoi ? Ouais, je t'aime trop. Ouais, t'es trop mignon. Ouais, et tout. Viens, on fait plein de gosses. Moi, j'ai pas le temps pour ça, t'as capté ? Arrête. Mais ouais, mais j'ai pas le temps, moi. Tu connais business, argent. Mais c'est la plateforme des femmes. Voilà, c'est l'oseille. Et après, si Dieu le veut, on pense à autre chose. Tu vois. C'est bien, c'est un docteur quand tu vas la présenter dans ton bled, comme on dit. Bon, je dis, oh, tiens. Ouais, bah oui. Au moins, bah, regarde lui. Mais attends, t'as envoyé la pause Alba ou pas ? Ouais. Ok, j'ai hyper, j'ai cru qu'on attendait ici pour rien. Je te jure. Non, t'inquiète. T'as dit quoi ?
ce perso il me fume parce que je vais en mode bas les couilles avec ce perso. C'est pas, heureusement il y avait Walid hier. Pourquoi? Et hier pourquoi je me suis retrouvé solo. Arrête tes conneries. Je te jure. Pourquoi mon gars? Mon tout seul, je t'envoie une position, t'es où? D'accord, perfecto. Pourquoi? Hier pourquoi ils m'ont tous retourné le dos. Hein? À cause de Pinto. Ah, c'est mieux que le RP gang que je faisais. Hein. Tout ça pour une chica. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai il a fait quoi? Il a fait quoi en retire? Il m'a tiré dessus, il m'a braqué. Ouais. Pimpo. Pourquoi? Parce que j'ai dragué. J'ai pas dragué. J'ai fait une petite blague à Alba. Je lui ai dit, si tu danses à l'unicorne, tu vas me faire des danses privées, je te paye 250 dollars. Ah, il est amoureux. Je crois qu'il est touché le petit. Eh, j'ai des belles dents. Tu vois? Ça change que les dents. Oh putain, elles sont toutes blanches. Eh, j'ai fait un détartrage. Jure? Ouais. Le dentiste, quand j'ai vu le détartrage, elle a flippé, elle a dit oulala, c'est quoi ce champ de bataille? Il y a du maïs, il y a les chocs à pic d'il y a un mois, que des dingueries. Une salope qui traîne par là, c'est rien. Voilà, une dinguerie, hein. Mais ça fait mal, moi. C'est quand le dernier détartrage que t'as fait? C'était quoi, il y a 2 mois, je crois. Ah ouais? Ouais. 2 mois? 2 mois, ouais. Ça va. Mais elle m'a niqué, elle m'a fait trop mal. T'as quoi? Elle m'a fait trop mal. Ah mais vas-y, ça fait mal des tartrages. C'est juste, ça fait trop mal. Moi oh, le pire c'est quand j'ai des examens et qu'elle fait une piqûre sur la gencive. Ah oh, ça me dégoûte. Oh tu sais quoi? T'as jamais eu ça? C'est ma phobie les dentistes. Tout ce qui est aiguille c'est ma phobie, je te jure, je peux pas. Ah ouais. Quand je vois une aiguille, je te jure, quand elle doit faire un truc, je suis obligé de fermer les yeux pour pas regarder l'aiguille. Ouais. Non, moi ma phobie c'est les chiens. Les chiens? Ah bah ouais. Normal, t'es arabe. Ah, t'es en train de dire que tous les Africains ont peur des chiens? Non, t'es le Nord-Africain, c'est pas pareil. Si, c'est pareil, c'est Afrique quand même. Non, c'est le Nord-Afrique. Non, c'est pareil, c'est dans l'Afrique. Ah d'accord, je sais pas si je suis Mexicano, j'en sais rien, moi, il connaît pas votre continent. Bob? Allô? Allô? Ouais, Amine, Bob, allez, ça va mon gars? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça dit quoi mon pote? Je sais même pas c'est qui. Bah écoute, ça va, tranquille. Ouais, ça dit quoi mon ref? Depuis le temps, quoi, ça date? Bah ouais, ça fait un moment. Dis-moi, t'as réussi à la pécho du coup, Carla, Clara? Mais Carla, c'est bon, on va se marier là. Ah, t'es pas au courant? Ah, c'est Bob. Oh, non, je suis pas au courant. C'est Bob, c'est Bob. Vous venez quand là? Ça dit quoi, Bob? Mais il me voit une position d'Alpha. Bah ça va, hein. Du coup, c'est quand le mariage? Ouais, c'est pour bientôt, hein. Tu fais quoi là? Ah ouais. Bah là je discutais avec une amie à moi, tranquille. C'est qui? Il y a des problèmes mais tranquille. Je sais pas si tu connais Vanessa. Vanessa... Non je l'ai pas encore vue celle-là. Ah bah... ça serait une nouvelle... Quoi une nouvelle proie? Eh moi je suis marié, commence pas. Exactement. Est-ce voilà. Que voilà. T'es déjà marié? Non, je me marie pas, t'es fou toi. Mais t'as capté. Ah ouais, vas-y, okay. Hein, on se capte tout à l'heure. Là, j'ai un gros rendez-vous, mon pote. Oh, Bob. Vas-y, tranquille. Oh, Bob, ça dit quoi niveau business et tout de ton côté? Bah, business. Non, ça fait écho, ça fait écho. Je sais pas, tu connais Stan? Stanislas? Oui, je connais, ouais. Le mec qui. On avoue. Bah, ouais, un peu con et comme ça, là, il parle un peu comme une pute, tu vois, comme ça. Ouais. Bah, enfin, on a voulu faire des dingueries hier, mais on n'a pas pu et tout. D'accord. Sérieux? Vas-y, tu me diras ouais, après, là, j'ai un gros rendez-vous. Deux, trois trucs. Vas-y, tranquille. Vas-y. Ce matin, ça va? Salut, Amine. Vas-y. Ah, mais t'as quel heure? Vas-y. Ah, merde, j'ai raccroché. Ça va ou quoi? Ça va et vous? C'est très bien. Eh, vous êtes trop mignon avec votre petite voiture carrée, là. Derrière moi. C'est normal. Attends, mais c'est qui Alba et c'est qui Rocky? Rocky. Tu parles de toi, Joseph. Joseph, pardon. Oh, bâtard. C'est moi que tu appelles Rocky là. Fais attention. Non, désolé, madame. Voilà, c'est bien. Il préfère comprendre vite. Ouais, désolé. Ah là là. Ça va bien, Amine? Ça va, moi, et vous? Tranquillo. Ouais, ça vu va. Vu que tu as fait la petite coupe au Pinto là, c'est. Au Pinto? Oh là, au Pinto. Pinto. Ah ok, Pinto. Ah ouais, toi t'as minimum 30 ans pour connaître le Pinto. Bien joué. Bien joué. Ça va, Mata? Ça va et tout? Ouais. Et c'est bien? Ouais, j'ai acheté Joao Félix là, c'est bon.
Salut. Alors, ouais, j'ai vendu Dalglish. Ouais. Ouais, ça. C'est les cordes. Ça... Allez, on va. À chaque fois que je vois ma tâche, je suis obligé de parler de FIFA. Laisse-moi tranquille, frère. Bon, écoute. Eh, on parle business. Parlons business. Bon. Tu veux parler business? Ouais. On parle business. Adama Traoré est vraiment fort. Ah ouais, mais attends, mais il coûte 150 000, j'avais pas assez, du coup je vais attendre d'économiser, je le prends. Amine, okay, ça parle de foot là où je rêve. Non mais non, c'est vrai, ouais, bah venons, on parle de danse. Vous avez vu Matt Pokora, il a fait un dernier album. Business. Elle, elles vont kiffer là. Matt Pokora, il a fait un feat avec Sheriff Aluna. Oh là là, on est encore dans 1888. Ah ça y est, moi je repars, c'est quoi ça? C'est bon, on rigole. Je vous braque, vous restez là, je vous braque. Partez. C'est bon, j'en ai marre de me faire braquer tous les jours, c'est bon. Oh bordel. Ouais, du coup, c'était quoi ce petit jouet là en plastique? Eh mais jouer, pas jouer, une balle, tu meurs hein. Pas là, Walid. Non, Walid, non, Walid, il est pas là. Ouais, il est pas là. Je sais pas, il est où? Attendez, pour favor. Mais moi je suis sur carte, tu m'as dit. Attendez, juste, il te fait 2 secondes. Ça va, tu vas bien, Alejandro? Non, les hermanos, vous faites quoi? Ouh. Y'a un problème, les gars, entre vous? Oh, t'as loupé des choses. Sérieux? Ouais, genre, je suis pas au courant. Maintenant, à peu près. Ouais, mais. Non, ça a pas l'air d'être passé là. Ouais. À moitié qui a été réglé, on va dire. Ah. Alejandro, Pinto, vous voulez pas aller parler? Alejandro? On a assez parlé, c'est déjà pas mal, non? Alejandro, est-ce que tu peux dire à Amine ce qui s'est passé? Non, moi j'aimerais bien savoir, moi. Le problème, c'est que vous essayez de remettre le couteau dans la plaie, en fait, ça le truc. Mais franchement, non, ça sert à rien d'en parler, vraiment. Ah ouais, c'est réglé, non, genre. Franchement, on va éviter. Ça sert à rien, c'est juste des problèmes, pour rien. On n'est pas venu là pour ça. Business, c'est tout. Pourquoi tu nous as convoqués là? Bah, vieux ça, le magic voulait appeler là-bas, donc. Maintenant qu'il y a Amine, on peut. Aïe. Je voulais vous parler par rapport au groupe parce que j'ai pas l'impression qu'on est un groupe. Il y a tout le monde qui est dispersé à droite à gauche. On fait des trucs de chacun de l'autre côté et c'est pas intéressant, c'est que bah, je voulais voir un peu avec tout le monde comment vous envisagez. Oh la non-réponse du groupe. Moi, franchement, vas-y, Alejandro. Vas-y, faut commencer. T'as commencé, allez, vas-y. Non, c'est toi, t'as commencé. Ah, la non-réponse. Eh les gars, la non-réponse du groupe, ça m'a fumé. Ah, mais ça manque de respect, donc commence, vas-y. D'accord. Il va commencer à mettre la main. Vas-y, non, mais vas-y, commencez, vas-y. Moi j'écoute, moi. Allez, d'accord. T'as raison, mais Diosa. Voilà, c'est bon, j'ai fini tard. Hein? Et toi, c'était du rapide. Non, moi je pense que déjà pour commencer, il faudrait que le groupe il ait son propre quartier déjà. C'est ce que je voulais vous voir, c'est pour ça d'ailleurs, je voulais vous voir, j'attendais ça. On a visité deux endroits, bah, vu que maintenant il y a chouf, même s'il n'y a pas Walid, c'est pas grave, on va pas attendre qu'il y a tout d'os. Pour une fois qu'on est. On est combien là? 1, 2, 3, 4, on est 5. 6, d'accord, 6. Un groupe, t'as peur. D'accord, bon. Bah, vu qu'on est 6, comme ça on pourra trancher, on va dire. Si? Sur un quartier. D'accord. Ok. Voilà. Okay. Après ça, on peut aller voir un barrio. Dernière fois, Alejandro, avec Amine, on est parti avec Amine et Walid, on est parti visiter un quartier. D'accord. Il est où ce quartier? Il peut t'en parler, Amine. Ouais. Bah non, il est bien. Tu vois, en face de la banque là. Ouais, voilà, il y a une banque et juste en face, il y a une sorte de petite impasse là. Et pas mal celui-là là-bas. Genre ça fait genre un moteur, tu rentres avec une piscine à l'arrière, voilà, sa fortune, voilà. Ah, j'ai entendu que vous voulez pas le prendre, mais il est pas mal hein, ce petit quartier. On va pas se mentir. On va dire comment on est, vu qu'on y a pas de chef, on a pas de chef, on veut pas de chef. Ah bah oui. Ça va se jouer au vote. Ouais. C'est la majorité, d'accord. Ben malheureusement on a pas le choix. J'ai remarqué Minos, il est toujours dans les groupes de bras cassés. Mais c'est le début, frère. Attends, c'est le troisième jour d'RP, ça viendra petit à petit, t'inquiète. C'est pas, peut-être je veux partir, peut-être si, peut-être ça, c'est pas. Il te rappelle. Ah ouais? C'est bon. Donc on va faire ça comme ça va aller au vote. Pas de soucis, patron. Et les gars, c'en est où la mission avec Fils là? Oula. Qui Fils? Je pense qu'il y a plus de business avec lui, hein.
C'est fini avec. Comment ça, y'a plus de business? Y'a plus. Je lui parlais, moi. Hein? C'est fini? Allez lui parler. Je suis allé lui parler. En fait, j'avais réglé les trucs et tout pour faire du business. Non, t'as justement, t'as empiré les trucs. Hein. J'ai empiré? Comment ça? Ah, oui. Justement, c'est le fait que tu lui écris dessus, tu les as engueulés, etc. Ouais. Ils ont pas apprécié, je crois. Mais comment ça? Pourquoi ils ont pas répondu? Quoi, ils ont des fusées. Ils ont des fusées à pompe et des mitraillettes et ils ont peur de Amin avec un pétoir. Non, ils ont pas dit qu'ils avaient peur. Bah ils alors. Ont dit que on avait ramené nos grands frères ou je sais pas quoi. Ok. Parce qu'en gros, à la base, on était moi, Alejandro et Mata, tu vois, on est allé là-bas, ouais. On les a vus, etc. Ouais. Et du jour au lendemain, bah. Du coup, faut appeler Fils, les gars. T'étais là, ils étaient venus, et tu les as engueulés, ils se sont dit, ouais, j'ai parlé à qui pour le business, avec Amine ou avec eux? Attends, putain, je vais te couper deux secondes. Quand eux, ils vous ont vu après l'Afrique, avec moi, ils étaient en prison, ils étaient combien? Ils étaient combien? Dos. D'accord, ok. C'est tout? Et moi, j'ai vu Palacios. Après, okay, ça lendemain, c'est un de ses hermano. J'ai parlé avec lui, Amine, le grand frère, de ouf. Si c'est favorable, même si c'est défavorable, il m'a pas rappelé, donc il sa mère. Voilà. Donc là, on va dire, il n'y a plus d'affaires avec... comment il s'appelle déjà? Mais du coup, il y a des affaires avec qui, là? Si, gracias. On peut faire affaire avec tout le monde. Non, mais là, il y a des affaires avec qui? C'est qui les personnes principales avec qui vous êtes en affaires? Il y a bien un groupe. Seulement personne, hein, je crois. Il y a les Lost, moi je suis un très bon relation avec les Lost. Tous les jours, wesh. Il y a Pinto, je crois qu'il a des contacts avec les AOD. Si. Ah, okay. Après, il y a la Marabonta, il y a les Families, il y a tout d'os, il y a toute la ville qui veut les affaires avec nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? On attend d'avoir la plata pour qu'on puisse faire les affaires aussi. Si voilà, on peut faire un braquage ou autre. Combien il faut de plata? À peu près? Ah, ça dépend, en fait, t'achètes ta drogue, tu la revends, mais Walid, je sais pas où il en est. Walid, il a pris sa drogue de son côté, il vend de son côté, comment est-ce qu'il fait? Parce que c'est sa propre plata, tu veux dire ou pas? Merci, Wing Jenner. Walid dit quoi? Il fait de son côté? Non, il fait pas de son côté, il avance, tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment te dire? Ben il avance, il en a marre d'attendre de tourner en rond. Ok, donc? Moi aussi, comme ça on a de la plata pour si un jour on a des rendez-vous. Ben on sort de la plata. Toi aussi tu fais R. Ah bah oui, moi tu connais, je me connecte une fois. Okay. Je me connecte plus qu'avant quand même. Oui, je propose. Déjà, on va visiter le quartier. D'accord. On va prendre le quartier. D'accord. Il faut de la plata, on enchaîne avec une banque. Ce soir, la banque c'est muerto. Pourquoi? Vous voulez faire une banque ce soir? Non, attends. Pourquoi? Bah parce que tu peux pas faire une banque comme ça directement, comme ça, enfin ça demande une certaine organisation. Hermano. Mais t'es sérieuse ou quoi? Sérieuse, bien sûr. Eh, on a fait la paletto avec deux jambons, t'es sérieuse ou quoi toi? Jambon et qui est parti en prison? Bah Alejandro parce qu'il avait pas mangé, ce cogneux de merde. Il est parti en prison. Ah oui, Alejandro, t'avais pas mangé, je m'en rappelle. Du coup t'es allé en taule pour avec 70 000 $. J'ai pris pour 70 000 dollars d'amour. Il est où l'argent? Oh là là là. Alors l'argent, il avait pris Poyos du coup. Tout? Bon, Poyos. C'est bon pour la banque? Je vais vraiment faire la banque à l'arrache. Vous voulez la banque? Écoute, vous voulez la banque? Il nous faut les véhicules de Walid d'abord. On a le véhicule à Alba. Il nous faut des plaques. Des plaques? On s'en bat les couilles, ils sont pas à son nom, les plaques. Vous savez quoi? Si je connais son nom, non? Non. C'est pas ton nom. Merci Gainer, merci à toi mon ref. Attends, Vito. Eh, vous savez quoi? On va faire une vote. On va lever le doigt. Qui veut faire la banque? Seul? Non. Si, on peut la faire. Ah, vous êtes pas. Si. Vas-y, vous êtes combien à vouloir faire la banque? Ouais, mais les gars, le but c'est de prendre l'argent des banques pour investir ailleurs. Mais là, oui. On a investi où sur l'autre banque? C'est ce que je voulais dire. Ben, c'est pour ça que j'allais vous proposer un truc. Je vais investir ma plata pour la banque. Vous me remboursez la plata de ce que je vais investir, ce qui veut dire la perceuse et la carte Flicka. D'accord. Vous me remboursez ça avec l'argent que vous allez faire, on va s'acheter de la drogue. Elle a combien la carte Flicka? D'accord. Moi j'avance ça, d'accord. 7000, 5000. On va aller voir Todos là. Vous allez, c'est quoi le problème? On va aller voir Todos. On va aller chercher la carte Flicka ce soir. Venez, on va d'abord au quartier pour voir, non? Bien sûr. On va vous suivre pour le barrio. Vas-y. Ok, c'est bon. C'est ma voiture, ça fait attention, hein. Donc là, on va directement au quartier.
Elle a vraiment pété, elle abîme pas alors que la voiture elle a déjà pété. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas moi qui l'ai pété, c'est Alejandro. Oh, j'y crois pas. Prends soin, tu la laves et tu la répares, merci. Mais je vais te. Vas-y, vous suivez? Vas-y, c'est bon. T'as pas fini ta phrase? Alba, même quand elle va être méchante, et bah c'est mort en fait avec sa petite voix là. T'as capté ou pas, Alejandro? Ouais, c'est vrai, ouais. Genre, elle est trop mignonne. Mec, je vais te tuer, attention. Fais attention avec ma voiture. Tu feras attention avec ma voiture, je suis super énervé en ce moment. Mais j'ai perdu mon mec, le pauvre, il est mort, il s'appelle Olivier. Il est mort, il s'est fait tuer par NS, je me rappelle à l'époque. J'ai fait exprès de pleurer. En fait, j'ai juste hérité de ses voitures, j'étais la plus heureuse. Ah putain. Attends, mais c'est où? Bah, on le suit. Un plan droite, à droite. Non, c'est là. Allez voir le quartier. Bah c'est quoi, bah... Oh, là dessus, t'es... Bah c'est... Mais cette voiture, c'est quoi cette voiture? C'est un monstre. Gauche. Oh là 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 là, elle est magnifique celle-là. Gauche. Tu peux pas nous donner avec ça tous ces véhicules? Je te jure, dommage. Allez. Mais jure la vie de ta mère. Je savais, je l'avais dit en plus. Putain! Eh, hermano! Eh, vous cassez les couilles! Oula. C'est ça votre problème en fait! Il y avait personne ici il y a 3 jours! On a une idée, il y a 3 jours on vient, il y a personne et là il y a des gens maintenant! Ouais, bah en tout cas c'est vous! Hein? C'est ça, c'est ça! Ah bon, bah c'est mort, c'était là que je voulais aller! Mais lui, il croit qu'on est petit lui! C'est il rigole, tranquille, ok, d'accord. Comment ça? Oh, vous habitez là vous? Ouais! Depuis quand? Depuis deux jours. Va te faire enculer. Putain, nous on est passé il y a 3 jours. Je vous avais dit on aurait dû venir, les gars. Je vous avais dit. Pourquoi vous voulez habiter là? Bah ouais. On a vu qu'un agent est mouillé. Malheureusement, on a la piscine derrière. On a le skatepark en haut. On est déjà tous les hermanos. Bande de gros bâtards. Allez vous faire un collard dans la piscine. Le mec a gueulé, tu veux quoi là? De toute façon, ce quartier, il sera à nous. Tu dis, tu veux quoi? On va vous faire dégager. Vous avez compris, voilà Pinto! Voilà Pinto! Tu fais la menace pour moi! Voilà Pinto! Voilà Pinto! Ah, ça sort les armes, hein, petite salope! Ok, je savais pas qu'il fallait que je la sorte moi aussi! C'est ça? Eh les frères, si vous voulez pas qu'on sort le minigun, partez là! Le minigun, oui, mon coconnus aussi! Le tank! Merci, bah encore, Jenner! Merci à toi, mon ref! Si t'as des coconnus, t'enlèves ton masque! Non, j'avais pas mon masque! Allez, enlève ton masque! Allez, j'avais pas mon masque! J'avais pas mon masque! Allez, c'est bon, il va pas l'enlever, laisse tomber, il va pas l'enlever! Montre ton beau visage, hermano! Moi, je te devais vous dire! Vas-y! Bonne habitation! Merci. À bientôt. Vous allez dire bientôt de force. Mais regarde, mais non, regarde. Le mur, c'est marqué White Gang, tu vois, c'est pas marqué, je sais pas ton prénom. Il est gris. Regarde dehors, c'est marqué White. Parle trop. C'est bon. Putain, ce quartier, il est bien en plus, c'est dommage. Regardez les White. Allez, bonne soirée, les types. Bonne soirée, ciao ciao. Lavez-moi, je pensais que c'était un médecin à gauche. N'oubliez pas, vive la soirée. Allez, circuler là. Tu vois, pourquoi tu parles mal quand on part? Tu vois, pourquoi quand on part, tu parles mal, tu vois? Mais j'ai pas parlé mal, je suis juste circulé. Non, t'allais aller circuler là, tu vois? Ouais, c'est ça, j'ai réalisé partir. Oui, mais pourquoi quand on part, tu fais les grosses couilles? Mais j'ai pas fait les grosses couilles, frérot. Vas-y, tranquille, vas-y les gars. On rigole. Non, je rigole pas, moi je le baise, frère. Non, il a des boudés, arrête. Non, mais frère, quand on part, il fait le mec viril là. On va devoir sauver moi. Et tu sais quoi, on va le faire la guerrière ou on va les faire des. Oh merde! Et du coup, ouais. Bah, du coup, on va les faire dégager. Mais pourquoi il y a une moto au milieu de la route, frère? Mais frère, pourquoi il y a une moto au milieu de la route? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un truc magnifique. C'est incroyable, hein. Et surtout la phrase. Oh, poussez-vous! Comment ça, poussez-vous? Comment ça, poussez-vous? T'es au milieu de la route! Une route, c'est une entrée de garage! Ah! Ouais, bah allez, poussez-vous! Ouais. Ah, ouais. J'ai poussé. Alors, elle, soit elle est née conne, soit elle est devenue conne. Alors, un des deux. C'est qu'elle est très conne. Oh merde, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Répète, s'il te plaît. T'es dans la merde. Bonjour madame, je peux vous aider? T'as dit quoi?
Non, vous êtes plus grande que moi, j'ai pas envie de vous attaquer. T'as dit quoi? De quoi, madame? Répète-moi pour moi ce que tu viens de dire. Eh, j'ai dit soit t'es conne, soit t'es devenue conne. Oh, je... Arrête meuf, pas meuf. Tu tapes, je tape. T'as esquivé, enfant de merde. Eh, je t'ai niqué, c'est tout ce qui compte. Je t'ai niqué. Voilà. Je t'ai montré c'était quoi le ghetto. Quoi, tu travailles, gros connard? Ça va, madame? Je t'ai pas trop fait mal? J'étais boxeur professionnel à SFI. Où ça? Tu penses à la leçon, elle va appeler tous ses potes là? C'est sûr et certain, elle va appeler tous ses potes. Je suis dans la merde. Attends, quoi? Quoi? Il est fou! Attends! Ah, je vais être nicard, toi, je t'ai rien fait, moi! Pardon, Alejandro. Excusez-moi, monsieur, j'étais conductrice professionnelle. Ah, mais t'es sérieux, là? Genre, tu m'as écrasé banal! Allô? Oh là, vous êtes où, là? Pourquoi il écrit Alba et j'entends mon oncle qui parle? C'est Alba, là! Pourquoi il y a mon oncle qui parle? Allô? Non. Tonton? Allô? Ouais, c'est Alba. Ah, ouais, tonton! Qu'est-ce que tu dis, tonton? Ouais. Les boys. Oh! Amine, vous êtes. Ouais, je fais à qui la facture? Ben en fait, attends, je vais tuer une meuf. Comment ça, tu vas tuer une meuf? Bah, je suis obligé, elle m'a écrasé, du coup, je suis obligé de la buter. Mais ouais, okay, mais bien, moi je suis comme ça. Non, mais non, j'en ai rien à foutre, je vais bien, elle m'a écrasé, qu'elle en a à foutre de bien. Oh, prends la respiration, prends le temps. Du moment où elle m'a écrasé, j'en ai rien à foutre, qu'elle va bien, qu'elle va pas bien. Vas-y. Respire. Vous êtes où? Attends, je te rappelle, je dois la tuer. Envoie une position. On est au Bénis, Bénis. Attends, mais tu fais quoi? De quoi? Tu fais? Non, je fais rien. C'est quoi ton nom? Enlève ta plaque, enlève la photo de la plaque, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, je l'enlève. Allez, je l'enlève. C'est moi, j'ai fait l'erreur. Mendez. C'est Mendez. C'est moi, j'ai fait l'erreur. C'est bon, j'ai enlevé. T'as vu, je suis pas un bâtard. T'as vu? J'ai mal à ton dos. Tiens, bah moi non plus, je suis pas une bâtarde. Ah, deux bandages? Ah ouais, putain. Custom ou réparation? Tyron? Bah, réparation, mais custom, je l'enlève, on est d'accord. J'ai insulté le Lessom. Ouais, mon gars. Chat, on est d'accord. Et je t'ai volé un couteau dans le coffre. Ouais, les boys, y'a quelqu'un qui est dispo pour un custom? Ou un couteau? Je suis obligé, frère, c'est une question d'honneur. Il y a quel couteau dans le coffre? C'est pas à moi, c'est d'ailleurs ça. Je peux l'avoir, le couteau, s'il vous plaît? Bah, non, non, bah, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, non, mais non, t'auras pas de couteau, on dirait, on va. Non, mais pourquoi tu veux un couteau? C'est un putain de couteau, tu vois. Monsieur, excusez-moi. Putain. C'est une grosse ou une petite custom? Couleur, juste. Non, vas-y. Parce que vous êtes gentil, chat, hein. Oh, Grillo, tu connais pas un. Merci, Jenner. Oh, c'est trop. Ok. On vous a dit de repasser dans la soirée, je vous fais quand même la réparation. Ah non, mais moi non. Mais descends! On m'a dit de vous dire de repasser dans la soirée. Oui. De quoi, oui, non, quoi, oui, je la tue ou pas? T'inquiète, Tyron, je suis mort, s'il te plaît, faut que je bouge. Ah, bon, ouais, bah moi aussi, faut que je renouvelle la villa. Vas-y, Grillo, on se recap, mon gars. Ah, vas-y, hein. Je mets la facture à canon. Tyron, c'est ça? Tyron. Ok, je vais la choper histoire de faire une petite scène. Oh, viens, on est vraiment sur chat. Vas-y. Chico! Ok, mon boy, ok. Chico! Chico, viens voir. Pendant le véhicule. Avec la couture bleue là. Pendant le véhicule. Oh, c'était chiasse. Viens, mon gars. Quoi? On t'appelle, tu réponds pas, j'ai assez de chance, tu réponds. Vas-y, attends, monte pas. Ah, mais non, on va voir parce que je sais que c'est avec la voiture avec laquelle je suis venu. Dis-moi. Vous l'avez jeté combien cette couture? Je sais même pas. C'est, tu peux lui faire la petite facture pour la réparation en face. Pourquoi tu veux la faire? Ah, je peux pas la faire moi, si tu peux lui faire au jeune là-bas. Ouais, boy, descends la facture. La tue pas, mais kidnap. Descends, je te fais la facture. Tu l'as mais pas trop. T'es un bon. Ouais mais vous savez pas chat. Non, j'ai pas. Oh, est-ce que en vrai le car kill il était gratuit. Okay. Mais moi je suis pas un mec qui va faire des rapports et tout, je m'en bats les couilles. Vous avez des propositions ou pas? Moi y en a peut-être une. Alba, mais tu feras attention, prends ton téléphone, elle appelle des gens mec. Qui ça? Bah. Ah ouais, Dieu ça ouais, on me l'a pris tout à l'heure. Ouais, vas-y, c'est bon, bah écoutez, allez, je suis en train de une position. On m'a appelé, j'ai entendu. C'est bon.
J'ai ouais putain. C'est, je vais l'appeler Dossa. Dos. Pris ma voiture. Allez, c'est bon. Oh. Il va où nous, barrio, ce soir, il nous faut un barrio. Ce soir, il nous faut un barrio. Ah, il y en a peut-être un vers Vinwood, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu penses que le barrio qu'on avait vu l'autre jour, il a été pris ou pas? Oh, viens, basket. On va voir. Basket. Le meilleur barrio. Non, non, non. Lequel? Le barrio vers les... chez les Vagos. Ah, lui, il est... mais je pense pas. Bah, moi, sinon, voilà bas. Non, non, il avait été pris. Il avait été pris, je crois. T'es sûr? Il y a plus d'essence. Oh non, on passe à la station service. Vite, vite, vite. Vite. Oh, on passe à l'essence. Va voir Mécano. De quoi? Va voir Mécano. Bah, ils peuvent te mettre en plein, ouais.